Thank you, Director General. Now we'll Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général. Nous poursuivons la séance d'ouverture qui pose le cadre. Tout d'abord, Monsieur Ku Dong-yu, Directeur Général de la FAO. Docteur Ku est entré en fonction en 2018. Avant de rejoindre la FAO, il a été vice-ministre des Affaires étrangères et son objectif était d'œuvrer au développement. Pendant 30 ans, il a travaillé sur la question des échanges internationaux et a organisé de grandes manifestations, en particulier au sein de l'OMC et du G20. Il a également aidé au programme conjoint FAO-Banque mondiale. Je vous remercie. L'orateur est inaudible, il ne peut pas être interprété. Good morning from Iran. Thank you for the recognition of the importance of the food security and the climate change to the vulnerables, especially those immigrants from the climate change. And both are closely related to FAO's mandate to fight hunger, improve the food security, and the rural poverty, promote the sustainable management of natural resources. Despite hopes that the world would emerge from the COVID-19 pandemic and the food security would begin to improve, number of people affected by the hunger rose to as many as 828 million in 2021, and an increase about 150 million since the outbreak of the pandemic. Around 2.3 million people in the world were moderately or severely food insecure in 2021, meaning they did not have access to adequate food. Close to 1 billion people are at risk of famine in the vulnerable countries. Well, at the same time, 3.1 billion people cannot afford a health debt. Food insecurity, migration, and displacement are closely interconnected. 80% of the world displaced people are in the countries or territories affected by the acute food insecurity and malnutrition, and that face the climate risk and other disasters. The impact of the climate crisis continue to negatively impact food security through the extreme weather event and slow onset changes. The Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment points out that increased weather and climate extremes have already exposed millions of people to acute food insecurity and reduced water security. Climate exposed sectors such as agriculture, forestry, fisheries, aquaculture, and others are those most affected. For example, 5 consecutive failed rainy seasons have led to the most severe drought in the recent history of the south and east part of the Ethiopia, affecting the fragile livelihood of about 10 million people who are already food insecure. Slow onset changes in climate and weather patterns are also affecting agro-food system, agro-environment, and the people's livelihood. Productivity has been declining in many countries due to the change in temperature, severe weather, and droughts. Rural people are most vulnerable as their livelihood depends on local productivity by local natural resources. Irregular rainfalls affect rain-fed agriculture on the more than 80% of the cultivated land in the world, even in Europe during this year. Climate change is also affecting the pastoralist and the fishery communities. Rural people have few opportunities and resources to adapt to the changing climate
And the repeated exposure to the climate events increases the risk of poverty if without the resilience building and the investment. This is the placing a lot of pressure to migrate, to the forcible displaced, or trapped in the high-risk area, unable to move. FAO is working with the rural populations to address the adverse drivers of migration, and to ensure that the migration is a choice instead of a necessity. This includes mitigating the negative impact of the climate crisis on the rural livelihood, create alternatives to migration, and strengthening anticipatory actions to avert the risk of the displacement. Recognize that rural areas bear the greatest burden in the hosting larger numbers of the displaced people. On 1/3 of the FAO emergency and the resilient funding is allocated to address the challenges of the forced displacement. Since I came 3 years ago as FAO DG, FAO helps rural communities to better manage climate-related risks by promoting climate adaptation practices, the sustainable use and the management of natural resources, and the restoration of degraded ecosystems. In El Salvador, for example, where the changes in weather and climate conditions have affected agricultural production and pushing farmers to migrate, FAO is working with the government to protect water resources for 1 million people and enhance the climate resilience of 50,000 smallholder farmers. Dear colleagues, it is important also to see the migration as a potential positive force for the green transition and for the development of the green agro-food systems. The investment in migrants and the diaspora and the transfer of skills and knowledges in the climate resilient livelihood and climate smart technologies can contribute to the promoting green agro-business and improved access to the food. New pathways for the resilience should also look at the creative enabling conditions to harness the potential of a migration for climate change adaptation in the area for origin, transit, and destination. In this regard, FAO has developed, together with the United Nations universities, a global guide and the toolkit to facilitate the integration of the human mobility into the national adaptation plans and the nationally determined contributions from the rural livelihood perspective. Evidence suggests that if government repurpose the resources they are using to incentivize the production, supply, and the consumption of the nutritious food, this will lead to making healthy diets more affordable and equitable for all. Governments need to urgently re-examine their agricultural trade and market interventions, such as subsidiary, and to ensure that the international trade continue to operate smoothly. Investing in the agro-food systems transformation and the long-term responses is a key to strengthen the resilience of agro-food systems to risks, including conflict, extreme weather event, economic shocks. Addressing the infrastructure and the input supply bottlenecks is critical to an efficient food supply system. Effective and sustainable support to the smallholder farmers will be vital to ensure they are part of the solution and to localize the supply chains. This calls for multi-sector approaches and enhance the collaboration between policy actors at all levels. FAO, with its unique technical expertise, makes an important contribution to bridge migration, agriculture, and climate stakeholders, acting as a neutral platform and leveraging its wider presence on the ground for the concrete result. Dear colleagues, we need concerted efforts to achieve the more efficient, more inclusive, more resilient,
and the most sustainable agricultural system to achieve our collective goals of the four betters at the country level, at the region level, at the global level. That is better production, better nutrition, a better environment, a better life for all, leaving no one behind. These objectives are set out in the FN Strategy Framework 2022-31, and we stand ready and firmly to work with the partners by hand-in-hand initiatives. Together, we can achieve these goals in support of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. And thank you very much. Thank you, Director General. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général. Nous allons maintenant entendre l'intervenant suivant qui va faire une intervention en ligne. Il s'agit de Monsieur Tedros, Directeur Général de l'OMS. C'est à vous. Chers collègues, chers amis, les changements climatiques sont des menaces à multiples niveau. Les personnes déplacées sont particulièrement affectées. Le réchauffement climatique nous affecte de différentes façons. Cela affecte l'eau, l'air et l'alimentation par le biais d'inondations, de canicules. Ça tue et elles endommagent les infrastructures critiques, laissant des millions de personnes sans soins médicaux. Les inondations du Pakistan sont une illustration criante. La dengue, le paludisme, toutes ces maladies ne font que se propager avec la présence de l'eau. Le changement climatique menace la nutrition des millions de personnes dans la Corne de l'Afrique, sont aux premières lignes. Les perturbations du changement climatique pousse des millions de personnes à migrer. Cela ne fait qu'exacerber les inégalités existantes. Nous devons agir pour protéger le bien-être et la santé mentale des migrants. Tout d'abord, en renforçant la résilience et les systèmes de migrants. Deuxièmement, en incluant un plan d'action axé sur la mobilité. Troisièmement, en mettant en place des démarches, y compris en se penchant sur la sécurité alimentaire. Des mesures radicales doivent protéger la santé de la planète sur lesquelles dépendent toutes les vies. Je vous remercie. Director General, now we have another. Je remercie le DG. Nous allons maintenant recevoir un autre participant en ligne avec nous, Jan Jelačić, commissaire européen de gestion de crise depuis 2019. Monsieur Tajani est le représentant permanent de la Slovénie avant cela et département secrétaire d'État au bureau du premier ministre Ghana. Et il a aussi été directeur de la politique et du bureau des droits de l'homme et secrétaire général des affaires européennes et directeur à l'OACI à Vienne. Monsieur le commissaire, je vous cède la parole. Excellence, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier l'OIM de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Je salue le DG Antonio Vitorino. Je vous remercie personnellement pour vos remarques liminaires qui soulignent les graves problèmes que rencontrent bien des personnes dans le monde. Plus de personnes sont déplacées aujourd'hui qu'à tout moment de l'histoire. Il s'agit de crises mondiales convergentes, complexes, qui poussent les personnes à rechercher protection et sécurité. Les conflits, l'insécurité alimentaire, la pénurie hydrique, les catastrophes, la liste est longue. J'étais en Ukraine la semaine dernière et étais témoin de la souffrance criante de ce peuple
avec en plus l'hiver qui arrive, 6 millions de personnes déplacées se trouvent en Ukraine, 7 millions de personnes réfugiées sont parties de l'Ukraine et sont enregistrées en Europe. À cette époque critique, notre priorité est d'améliorer les solutions face à l'hiver en Ukraine. Toutefois, le changement climatique devient un moteur de déplacement dans le monde. Au début du mois, je me suis rendue dans les communautés affectées par les inondations au Pakistan, intérieur du pays et sous l'eau. 8 millions de personnes ont été obligées à quitter leur foyer. Dans l'intervalle, le Nigeria a été frappé par les pires inondations depuis des décennies. Cela a coûté la vie à 500 personnes et déplacé plus de 1 million de personnes. Nous observons aussi des épisodes lents, tels que la sécheresse qui met à mal les moyens de subsistance des communautés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre solution que de quitter leur foyer. C'est ce qu'il se passe en Somalie après quatre saisons de sécheresse. Au Sahel, au Yémen et autres pays dans le monde, la situation est identique. Que fait l'UE pour tenter d'aider les personnes déplacées? Chez nous, nous offrons la protection aux réfugiés les plus vulnérables. Depuis 2015, les programmes de réinstallation de l'UE ont aidé plus de 100 000 personnes à trouver refuge dans l'UE. Ils ont pu recommencer leur vie dans la sécurité et la dignité. Nos programmes offrent une assistance fort nécessaire à ceux qui ont été déplacés, à la fois au sein de leur pays et entre pays. Au Sahel et dans la région du lac Tchad, l'UE mobilise 14 millions d'euros qui permettent d'offrir eau, aliments, refuges et autres. Nous cherchons aussi à aider les personnes déplacées, par exemple lorsque les risques climatiques et la sécurité alimentaire convergent. Nous offrons une aide et nous renforçons notre appui au système alimentaire résilient, durable. Nous adaptons aussi notre riposte face au changement climatique afin de pouvoir agir avant que ne frappent ces crises et ces catastrophes. Ces préventions et ces démarches sont mises en place dans tout notre cycle humanitaire. Cette année, nous avons mis en place une plateforme pour le déplacement qui nous permet de renforcer la coordination mondiale et les mesures prises dans les régions où nous devons agir à l'unisson. Mais il reste bien à faire, bien sûr. Permettez-moi d'ailleurs de souligner trois points à cet égard. Tout d'abord, nous devons faire davantage pour combler les écarts de financement humanitaire. 64% des besoins humanitaires restent sans financement. Pendant trop longtemps, nous nous sommes reposés sur un très faible chiffre de donateurs dans cette riposte et cela n'est plus possible. Nous devons élargir la base des bailleurs de fonds. Aux côtés de nos États membres, l'UE invite ceux qui peuvent augmenter les budgets humanitaires. Cette année, à ce jour, 10 milliards ont été levés grâce à des événements pour le Sahel, l'Afrique du Nord, la Syrie et d'autres. Nous devons appuyer les communautés les plus vulnérables et ainsi que les personnes déplacées à l'extérieur de leur pays et à l'intérieur de leur pays. Deuxièmement, nous devons poursuivre nos travaux de protection dans le droit international, pour bien des personnes déplacées, elles n'ont pas accès à l'aide. Nous devons aider et protéger toutes les personnes déplacées, notamment les personnes qui sont à risque de retour insécurisé. Troisièmement, nous devons renforcer la résilience à l'échelon local, renforcer la coopération entre les parties prenantes humanitaires et de résilience. Nous devons aider les pays à faire face aux chocs et au final rompre le cycle de destruction, de catastrophes, de déplacement et de mortalité.
En conclusion, mesdames et messieurs, l'UE est déterminée à appuyer tous les efforts pour faire face aux crises chevauchantes dans le monde, pour faire en sorte que les personnes déplacées reçoivent l'aide nécessaire où qu'elles se trouvent. Nous ne pourrons y arriver que grâce à nos travaux à l'unisson. C'est pour cela que je remercie encore l'UEM d'avoir organisé ces travaux et ce dialogue. Je vous remercie. Je me remercie, M. Lenarczyk. Nous allons maintenant entendre une vidéo du président de la COP27, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, M. Fena Choukri. Monsieur le directeur général de l'OEM, Antonio Vitorino, Excellence. Chers participants, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à ce deuxième dialogue international sur l'immigration qui se penche sur les plus grands défis de notre planète aujourd'hui, à savoir le lien entre le changement climatique et la mobilité. La migration climatique est devenue une réalité et n'a fait qu'augmenter et a été reconnue comme problème qui exige des solutions à long terme, car les catastrophes fréquentes et plus graves engendrent des déplacements de millions de personnes chaque année. En outre, la dégradation lente des écosystèmes et les pertes et implications de ces changements climatiques créent des déplacements et fragilisent les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde. Les répercussions de la dégradation environnementale et du changement climatique sur les mouvements migratoires ont affecté toutes les régions du monde. Toutefois, il est important de reconnaître la différence des catastrophes selon les facteurs, à savoir les circonstances économiques, environnementales, sociales et financières et économiques. Il s'agit donc de se pencher sur les causes des conflits également. On ne peut pas être simplement observateur. Il est urgent de mettre en place des efforts politiques pour atténuer le changement climatique. Cela est nécessaire pour éviter les catastrophes les pires de ces crises sur les personnes et leur environnement. Il s'agit de se pencher sur ce problème à l'échelon national, régional et mondial de façon holistique pour mettre en place une société, une économie qui permette d'accueillir les migrants. À l'occasion de la COP27, nous tenterons de mettre en place des mesures climatiques en coopération avec toutes les parties prenantes pertinentes. Nous devons veiller à de plus grandes synergies dans le cadre de l'accord de Paris, du pacte mondial et dans le domaine de l'agenda 2020 pour le développement durable, et mettre à l'échelle les mesures qui tiennent compte de la migration et du changement climatique, mettant l'accent sur le bien-être et les droits de toutes les personnes sans discrimination, et améliorer les voies régulières pour une migration sûre en bornant dans la dignité, et pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et veiller à ce que la migration reste un choix et non pas une nécessité. Financer les écarts financiers sera nécessaire pour mobiliser les ressources de réduction des risques, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation, ainsi que les veilles et les alertes précoces. Il faut également parler de financement prévisible en ligne avec les engagements et les principes d'équité et d'une responsabilité commune mais différenciée, et faire face aux scénarios de mobilité à venir dans le contexte des effets averses de changement climatique. En outre, la migration climatique environnementale est un phénomène multicausal qui exige des ripostes multiples. Ainsi, adopter
une démarche gouvernementale, sociétale, holistique est nécessaire pour ne laisser personne de côté. Et enfin, pour finir, ce n'est pas des moindres, nous avons besoin d'un changement de paradigme en ce qui concerne le financement et les programmes de mobilité climatique, étant donné l'ampleur de la crise. Des solutions à court terme ne sont pas efficaces. Les ripostes doivent s'adapter pour faire face aux défis composés et on doit mettre l'accent sur les liens de la paix et de l'environnement pour arriver à une meilleure cohérence des efforts nationaux et la prévention et préparation. Ainsi, en conclusion, j'aimerais rappeler que la COP27 est prête à mettre en lumière ces problématiques tout en veillant à la transition vers un monde meilleur. Premièrement, la sécurité hydrique. L'incertitude de la sécurité hydrique crée un stress hydrique, des déplacements et des conflits en ce qui concerne les ressources avec peu de ressources d'adaptation. Il est nécessaire donc de mettre en place l'adaptation dans le secteur hydrique pour traiter de façon réussie le changement climatique. L'initiative hydrique doit faire mettre l'eau au cœur de la résilience et de l'adaptation. Deuxièmement, la sécurité alimentaire. Les systèmes alimentaires sont de plus en plus frappés par les changements climatiques. Toutefois, améliorer ces systèmes offre une occasion idoine pour se pencher sur l'amélioration de la résilience dans les systèmes en réduisant les émissions. Les systèmes alimentaires et agricoles doivent accélérer la transformation agroalimentaire et mettre en place des mesures efficaces pour réviser et tout en évitant les doublons. Troisièmement, la riposte climatique pour l'initiative de la paix se concentre sur les déplacements, le lien entre la paix et le développement et mettre en place des idées novatrices pour accélérer le financement climatique au profit de la paix. Cela sera mis en place par le biais de mesures et de politiques pour renforcer la résilience et se pencher sur les écarts existants. Je pense que la réunion de la COP27 qui aura lieu dans quelques jours à Sharm el-Sheikh permettra de se pencher sur la façon de mettre en place les ripostes à ces défis. Nous ne pouvons pas rester dans le scénario de l'inaction. Ainsi, nous devons coordonner nos efforts pour atténuer et nous adapter face au changement climatique et se pencher sur les déplacements et les racines profondes au profit de la prospérité dans les pays d'origine et de destination en même temps. Merci. Notre dernier intervenant est ici en personne. Il s'agit de M. Abdirahman Abdishakour, émissaire présidentiel spécial pour la riposte en Somalie. Il a été nommé en tant que émissaire présidentiel en mai 2022. Il était négociateur en chef pour l'Alliance de la libération de Somalie à la conférence Somalie-Djibouti pour l'établissement d'un gouvernement transitoire en Somalie. En 2012, il a été nommé en tant que conseiller en chef du président. Il a été également conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU en Somalie. Monsieur Abdirahman, c'est à vous. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce dialogue arrive à point nommé à la veille de la COP
27 qui aura lieu en Égypte. Pour faire fond sur le forum qui se penche sur les liens entre la sécurité alimentaire, la mobilité humaine et le changement climatique. Je remercie l'OEM d'avoir bien voulu organiser cette conférence et de m'avoir invité à ce dialogue qui revêt une importance capitale. La sécurité alimentaire est un défi mondial et provoque déplacement et migration. Le développement, les ODD et l'objectif d'éviter toute famine devient une priorité en raison de conflits et de changements géopolitiques au sein de l'économie mondiale. Nous connaissons de plus en plus de crises alimentaires. $188 million de personnes seront confrontées à la faim d'ici 2050. Chers collègues, la faim risque de devenir endémique. La distribution et la production alimentaire sont en péril. Sécheresse, inondations ont doublé depuis le début des années 1990. Les récoltes diminuent. Sans parler des infestations du criquet pèlerin dans notre région d'Afrique. Ainsi, cela fait diminuer les récoltes de 70%. Cela a coûté la vie à 3 millions de personnes. Les changements climatiques augmentent les températures, augmentent les crises alimentaires qui deviennent la norme et non pas l'exception. Cette destruction de la production alimentaire a des répercussions sur toute la planète. Tout d'abord, ce sont les pays les plus pauvres qui sont frappés. Ces crises augmentent de 3% cette année et le changement climatique rend les aliments moins nutritifs également. L'eau se réchauffe. Donc ce sont les ressources halieutiques qui sont frappées et poussent les poissons à se déplacer dans d'autres régions. La population somalienne est frappée à l'insécurité alimentaire, avec 1 million de personnes déplacées en raison des sécheresses. 500 000 de personnes sont confrontées à la malnutrition. Notre pays est sur le point de connaître une famine. Cette sécheresse a créé de grand mouvement de déplacement. Ainsi, cela contribuera à la migration internationale dans la Corne de l'Afrique et la région du Golfe. Cette insécurité alimentaire n'est pas le seul moteur dans notre région, mais aussi un facteur d'instabilité avec des violences intercommunautaires de plus en plus marquées et qui pousse la recrudescence de la violence sexiste. Depuis quelques mois, je me suis rendue dans différentes capitales en Amérique du Nord et en Europe pour rencontrer les gouvernements et la diaspora somalienne. Il s'agit d'atténuer cette catastrophe avant que des centaines de milliers de personnes perdent la vie et que l'insécurité politique n'explose. Il est nécessaire de réaliser notre potentiel. Je vous remercie de votre soutien permanent et notre
pays a besoin d'investissement dans les énergies renouvelables, la technologie, les infrastructures, la production alimentaire, l'agroalimentaire, les ressources halieutiques. Il s'agit de renforcer la résilience de nos communautés afin de pouvoir nous adapter et atténuer les effets du changement climatique. Notre gouvernement ne peut y parvenir seul. Nous avons besoin de l'appui de tous nos partenaires, nos amis et nos bailleurs de fonds. À l'échelon régional, la Somalie était l'un des pays à avaliser la déclaration ministérielle de Kampala sur l'immigration, l'environnement et le changement climatique qui jette les bases d'une vision pour mettre l'accent sur le changement climatique, les déplacements et le développement durable. Le changement climatique ne va pas prendre fin aujourd'hui ou demain, ni la migration. Nous devons diversifier la production alimentaire et les marchés et se pencher sur les inégalités profondes et les distorsions de marché qui ont contribué à la crise actuelle. Une démarche coordonnée dans tous les secteurs est de mise pour pouvoir refonder notre système et pour qu'il soit plus résilient, plus équitable, plus inclusif. Dans un moment de besoin, nous devons reconnaître que les marchés doivent permettre à ces personnes de sortir de la migration irrégulière. La COP27 sera l'occasion de renouveler son soutien face à ces cycles en cours répétés en Somalie, notamment. C'est le cas, comme bien dans bien d'autres pays. Nous avons besoin d'aide pour mettre en place des changements urgents pour protéger notre communauté. Et à long terme, nous avons besoin de démarches climatiques pour réduire les chocs. Nous avons besoin de faire en sorte que les pays pollueurs réduisent leurs émissions afin que l'accord de Paris puisse réaliser ses objectifs. Nous devons aussi mettre fin à la famine en Somalie et d'autres pays du continent. Nous devons contribuer à la stabilité alimentaire et des moyens de subsistance dans notre pays. Enfin, je remercie l'OIM de nous recevoir et de nous rassembler dans cette enceinte. Et encore une fois, je vous remercie. Je remercie le dernier intervenant de notre séance liminaire. Nous allons entendre un dernier message. Monsieur Chong Dong-yu est en ligne pour savoir sur quoi nous allons nous concentrer pendant les deux journées à venir. Do we have him still online? Okay, then I would like now to come back. Eh bien, puisqu'il n'est pas en ligne, je me tourne à nouveau vers vous pour la conclusion. Je vous remercie à nouveau de nous avoir réunis pour ce dialogue extrêmement important. Comme je l'ai dit dans mon discours, l'insécurité alimentaire est touchée par les défis mondiaux. Si l'on voit le bout de la pandémie, notre préoccupation est que 2022 ou 2023
soit des années de pandémie, de crise alimentaire, je crois que nous avons besoin de mener un dialogue essentiel sur la façon de faire face à ce problème avant qu'il ne prenne l'ampleur d'une pandémie. L'importance de la sécurité alimentaire est là, et l'importance de la crise de l'environnement. Et toutes les crises qui sont là nous montrent bien que toutes ces crises sont liées et que tous les pays sont touchés, y compris les pays développés. Je viens de Somalie et toute la corne de l'Afrique traverse des chaleurs extrêmes, une sécheresse qui ne peut pas être uniquement réglée par l'assistance humanitaire. Nous devons nous attaquer aux causes profondes de ces changements climatiques pour que les communautés puissent être résilientes, s'adapter, atténuer les effets des changements climatiques. Si nous ne faisons pas cela, les crises se multiplieront et, je le redis, nous devons investir dans l'atténuation et cela passe par un accès, un financement, un investissement à des financements qui permettent de faire face à ces événements climatiques. Nous devons rassembler nos efforts pour pouvoir porter ces points critiques à la prochaine COP27 en Égypte. Je vous remercie. Je rends la parole à Monsieur le directeur général de l'OIM, Monsieur Vitorino. Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants. Je crois que pour poser le cadre, nous avons entendu un large éventail de témoignages sur les difficultés que nous rencontrons. La question de la sécurité alimentaire est fondamentale aujourd'hui et le sera encore plus demain. Aujourd'hui, c'est le problème de distribution et de hausse des prix que nous rencontrons. Malheureusement, en raison du conflit en Europe et des effets des changements climatiques un peu partout dans le monde, l'année prochaine, nous ajouterons au problème de la distribution le problème de la protection. Dans le monde entier, la production peut répondre aux besoins de la population mondiale, mais la question de la distribution est clé pour que nous puissions faire face aux catastrophes humanitaires que l'on voit en raison d'inondations, de sécheresses, de conflits, de dégradations environnementales, etc. Deuxièmement, il est important de bien faire comprendre que les efforts d'adaptation et d'atténuation sont nécessaires. Et ces efforts ont besoin de soutien, de transfert de technologies et d'investissement. Et nous sommes fermement convaincus que si nous n'agissons pas maintenant, cela nous coûtera beaucoup plus à l'avenir quant aux vies, aux crises humanitaires et au développement social. Donc, à la COP27, il faut appeler l'attention de la société internationale sur le capital humain, le transfert technologique et le soutien pour l'adaptation, l'atténuation, la diminution des risques et la constitution de la résilience des communautés.
Les communautés ne souhaitent pas se déplacer, elles veulent pouvoir continuer à vivre là où elles vivent, mais lorsqu'elles sont contraintes de partir, eh bien, cela se fait contre leur gré. Les déplacements forcés liés au changement climatique sont pour l'heure actuelle internes. Nous voyons qu'un grand nombre de personnes se déplacent à l'intérieur de leur pays. Certaines personnes pourront retourner dans leur région d'origine, d'autres ne le pourront pas. Dans les deux cas, nous devons trouver des solutions durables pour ces personnes. Quelles perspectives pouvons-nous offrir à ces personnes déplacées de force en raison du changement climatique? Et la question de la migration n'est qu'une composante de l'histoire, mais en cas de déplacement interne, si les personnes ne trouvent pas de solution, eh bien, elles continueront à se déplacer. Un jour ou l'autre, elles franchiront une frontière internationale et deviendront des migrants internationaux. L'OIM est très attentive à ces situations, essaie d'évaluer là où le risque est le plus élevé et d'organiser le soutien international, l'appui des gouvernements, des autorités civiles, de la société civile afin de pouvoir faire face aux conséquences des changements climatiques. Nous sommes impatients d'assister à vos discussions aujourd'hui et demain afin de pouvoir nous aider à nous préparer à la COP27 et à élaborer notre programme relatif à l'action climatique. Je vous remercie et je m'en tiendrai là. Je vous remercie. Thank you to the Director General and all. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général. Je tiens également à remercier tous les intervenants d'avoir posé le contexte et nous allons ouvrir la première partie de la discussion. Just a small technical note for those that would like to. Pour les personnes qui souhaiteraient intervenir après la première discussion, vous pourrez le faire. Vous n'aurez qu'à demander la parole après les interventions des premiers intervenants. Je vous remercie.